c'est un rendez-vous traditionnel qui cette année est en plein air, donc en plus on a la chance d'avoir le soleil. C'est vrai qu'Albertville est une ville très très associative. Je crois qu'en France, c'est une des villes où le taux de membres d'association est le plus important par rapport à la population. Les gens ne le savent pas, mais il y a plus de 300 associations à Albertville, aussi bien dans le sport, dans la culture, dans la santé, dans la danse, la chanson, tout. On a tout à Albertville. Et nous, au département, on aide les associations, bien sûr. Alors, de grandes associations qui opèrent, par exemple, dans le domaine social. Mais au niveau de chaque canton, nous aidons les petites associations qui font tout ce travail au quotidien. Et dans le cadre des projets citoyens que nous finançons, le plus souvent, ce sont des associations locales qui sont choisies par les électeurs. Donc on a un vrai partenariat entre le département et ce tissu associatif qui est absolument indispensable. Alors cette année, la thématique pour notre journée de forum était la santé. Et il y a beaucoup, beaucoup à faire et beaucoup à dire. Nous avons mis à l'honneur 4 associations. Le don du sang, la Ligue contre le cancer, les marmottons et les jeunes sapeurs-pompiers. Effectivement, on est présent sur ce forum qui est dédié à la santé, à la fois pour valoriser l'association des jeunes sapeurs-pompiers et recruter éventuellement de nouveaux jeunes sapeurs-pompiers qui viendront garnir nos rangs dans quelques années, et également proposer une sensibilisation au massage cardiaque et à la lance à incendie pour les personnes qui sont intéressées, et amener notre pierre à l'édifice sur cette thématique de la santé, sur ces gestes qui sauvent, intéresser les gens à se former au premier secours, parce que ce sont eux qui sont les premiers maillons de la chaîne des secours, et c'est important qu'un maximum de personnes puissent être formées à ces gestes. L'activité des marmottons, c'est une association qui se trouve au sein de l'hôpital en pédiatrie et qui intervient pour des enfants de 2 à 18 ans pour les changer de leur... quand ils sont à l'hôpital, pour leur changer un peu leur horizon. On leur propose des activités manuelles, de jouer avec eux et d'être présents pour quand ils sont tout seuls, quand ils n'ont pas la possibilité de visite et quand ils ont... pour leur changer un peu le quotidien de l'hôpital.